Les œuvres formant la collection nationale sont au nombre environ de 140 000. Une extrême majorité sera dans notre nouveau centre Pompidou francilien, qui sera un lieu de réserve à Massy à partir de 2026. Et sinon, nous sommes le plus grand prêteur de ce pays, et donc environ 6 à 10 000 œuvres par an seront diffusées sur le territoire. On retrouvera ce qui fait la force du Centre Pompidou d'aujourd'hui, mais dans une nouvelle conception culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est avec des nouveaux espaces, notamment au niveau moins 1, nous allons gagner sur le parking des bus que n'utilise plus aujourd'hui, qu'on va appeler l'Agora, qui sera dédié à la création contemporaine. Et ensuite, étage par étage, il y aura une métamorphose, notamment une nouvelle bibliothèque, une nouvelle scénographie dans le musée, et puis un accès à la terrasse au 7e étage, qui sera là aussi complètement nouveau, avec une nouvelle vue sur Paris. De manière concertée, élaborée depuis 2 ans, et qui a fait l'objet du concours architectural que je vous rappelle.